Hortus Focus. Hortus Focus. Hortus Focus présente. Je prends ici. Là, je vais montrer. On voit bien qu'on attrape une vieille racine comme ça. Et alors, avec ça, on voit tous les petits départs. Donc, je retire tous les petits départs. Donc ici, on voit que ben, on en a au moins deux belles jeunes. Donc, il faut vraiment les couper à ras. Il ne faut pas du tout garder la partie ligneuse. Vraiment les couper à ras. Et puis alors, au moment de les replanter, il faut enlever un certain nombre de feuilles pour que la plante n'évapore pas trop d'eau et puisse reconstituer son système racinaire. Ici, on voit une vieille que où j'ai préparé tous les bébés. Je dois encore enlever, je pense, quelques feuilles parce qu'il y en a encore de trop. Et alors, important, ça, c'est trop long. Il ne faut pas garder des morceaux ligneux trop longs. Donc ici, on coupe et on garde vraiment qu'un tout petit bout. Après, simplement, on fait un petit trou. Pas très profond puisque ce n'est pas déjà profond. On recouvre comme ça. On tasse bien. Et alors, pour avoir une idée de l'espacement entre les plantes, voilà, c'est plus ou moins entre les petits, c'est plus ou moins comme ça. Ça fait quoi, 10-15 cm? Ouais, 10-15 cm. Enfin, j'en vais en mettre 3. Hein. Et alors, comme ça, on tasse bien. Et puis, chose importante, je vais arroser. Toujours okay, arroser, même s'il pleut. Enfin, quoi que s'il pleut très fort, on n'a pas trop envie de faire ça, mais... même s'il pleut un peu, toujours bien arroser parce que ça permet de tasser le sol au niveau de la plante. Voilà. C'était pas exceptionnel quand ça faisait nu. Et puis après, c'est vrai que cette année, j'ai été étonnée du résultat parce que c'est quand même bien fourni pour les 5 petits bouts que j'avais mis.